Donc on est avec les Cypher, c'est ça? In Cypher. Ouais. D'où vient ce nom de groupe? De loin, en fait, Cypher. Qui l'a trouvé là-bas? Ah, c'est Guillaume. Qui est le poète du groupe. Ouais. C'est ça, lui, c'est lui qui pense le plus dans le groupe. Mais pourquoi ce nom, In Cypher? Pourquoi ce nom? Ben, on cherchait des noms, finalement, pour notre nouveau projet. Puis, pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'In Cypher veut dire? In Cypher, ça veut dire encrypté. Mais puis encrypté, mettons, si on peut donner une signification, peut-être la musique, nos émotions encryptées en ondes sonores et t'écoutes la chanson, puis ça peut te donner une idée de comment on se sent. Surtout Guillaume. Et après la fin de l'album, une fois qu'on l'a écouté, c'est décrypté? Oui, c'est ça, puis peut-être une thérapie aussi, c'est nécessaire un peu. Et ça fait combien de temps que le groupe existe? Ouais, ça fait proche 4 ans. Hein? Oui, 4 ans de formation In Cypher. Ça fait vraiment 4 ans avec cette formation-là. C'est ça, là, que je pense qu'on a trouvé notre recette. Vous êtes francophone? Oui. Oui, pas mal à 100%. Pourquoi une question... La question, pourquoi en anglais? Voilà, pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? Bon, on écoute principalement tous de musique anglophone. Il n'y a pas personne dans le groupe qui trippe québécois. On en est tous un peu, mais c'est principalement la façon, nous, de composer qu'on trouve le message peut-être passe mieux ou les paroles glissent mieux avec la musique, peut-être. Que quand c'est en français, chérie d'amour, ça me semble que... La langue française est une langue qui est de multiples visages. Puis il y a énormément de mots, on pourrait le faire si on voulait, sauf que avec les influences qu'on a, on trouve que ça glisse mieux en anglais. On trippe tous sur le punk rock californien, nos bases viennent de là pas mal tous, punk rock suédois, là, des groupes comme... Greg's Brother, Adhesive, Bad Religion, Melancholin, No Use For Name. Rise. Justement, moi, j'étais avec toi tout à l'heure, c'est impressionnant. Donc, il faut dire, t'es le batteur, c'est complètement dingue, je te voyais, c'est... J'ai l'air complètement dingue. complètement fou, je dis ce gars-là, il est complètement fou. Non, mais ça vaut une heure ou deux heures de sport, là. C'est super physique, tu termines torse nu, ça va être génial pour les nanas, non? Vous regroupez combien de fois par semaine pour répéter? Une fois. Ben, les corporates, moi je reste à Montréal, les autres sont tous à Granby. Il y avait Frank qui travaillait de soir, c'est maintenant rendu à l'imparfait. Ça va changer peut-être, ce qui empêchait de faire des pratiques la semaine le soir. Ça fait tout au moins 10 ans, 10, 12 ans qu'on joue dans des groupes, puis ça vient comme une drogue à un moment donné, on peut pas s'arrêter. Si le groupe finit, ben c'est sûr qu'on va se replacer ailleurs, puis on va tout le temps continuer à jouer juste pour le plaisir. On vise pas de carrière là-dedans. Si j'ai bien compris, avant de faire du business, vous voulez d'abord vous amuser, quoi. Là, avec l'expérience au fil des années, si tu te prends trop au sérieux à un moment donné, tu perds le momentum. Fait que c'est vraiment de se faire du plaisir en faisant ce qu'on fait, puis le reste, ça va suivre. Et une répète, ça peut durer combien de temps? Entre 2 et 3 heures et demie, peut-être, des fois 4 heures. Ouais. Sinon, vous avez des projets là, pour vous produire bientôt, on peut vous voir quelque part? Il n'y a pas de concert de prévu présentement, puis on joue de temps en temps au Pop du Village à Granby. J'ai quelque chose ici dans les mains, ça c'est incroyable, c'est quand même le CD. Et oui. Ouais, premier CD officiel avec une pochette. Ah oui. C'est ça, c'est un projet double dans le fond, on est deux groupes de Granby, on appelle ça un split CD. Puis c'est ça, chacun on a mis 5 chansons dessus, puis c'est ça, c'est un groupe, c'est nos amis qui pratiquent à côté de nous autres. Les Cypher, merci. It's all the fun of my mind. You and your insurance, won't let me once again. Just enough for me to break your spine. And if you watch her at the eyes, I need to see you cry in front of me. Cause I fall away when I find a word. I wish I'd be able to set you free. Got a prayer with you, but everybody knows that I did my best for you. We'll be right back.
play today. I realize that this relationship was blown away. Every reason's what good to make my day. It was all upon my mind. You and your pretty face are finished, you better away. Am I on a better one who has to pray? I need to watch your pretty nose. I need to see you die in front of me. Cause I push away when I find a word. I wish I'd be able to say a prayer to finally accept the child I found. Ce soir, comme on fête le premier anniversaire de l'émission Stop, alors j'invite tout le monde des deux bandes à souffler la chandelle du premier anniversaire avec moi. Alors à 3, 1, 2, 3, penchez-vous un petit peu. Il faut souffler au-dessus. Rock and roll! Rock and roll! Yeah! Rock and roll! Merci d'être avec nous. Merci aux artistes et un gros merci au studio SAM 1492. Maintenant, c'est à votre tour de faire part à l'émission en appelant au numéro en bas de l'écran pour inscrire votre vote pour votre artiste préféré. Je vous invite aussi de devenir membre de la radio communautaire Missisquoi. Tout se fait au numéro de téléphone comme vous voulez. Alors, je vous invite maintenant d'être des nôtres pour la deuxième émission qui sera le mois prochain ici au Canal Vox.